Je m'appelle Noémie Paulin, j'ai été dans ce lycée pendant 3 ans. J'ai fait le parcours espace qui est propre au lycée. Et ça m'a donné envie de faire de la géologie. Donc c'est pour ça au départ que je suis partie dans une prépa BCPST. Comme objectif, j'aurais plutôt d'entrer dans une école de géologie. Et sinon, j'ai découvert aussi que ça pouvait mener à des écoles d'agronomie. Ça pourrait être assez intéressant comme type d'études. J'aime beaucoup la prépa BCPST parce que c'est une prépa en fait qui donne beaucoup d'ouverture puisqu'on a toutes les matières scientifiques, c'est-à-dire que même si c'est très approfondi en biologie, on a aussi beaucoup de maths, de physique, de chimie, tout se relie en fait, quelque chose qu'on voit en chimie, on le reverra en biologie ou en maths. C'est vraiment très intéressant et ça permet vraiment d'ouvrir des portes, même si au final on se spécialisera dans 2 ans sur une matière en particulier ou sur un métier. En géologie, il y a plusieurs parcours qui pourraient m'intéresser potentiellement. Même si j'ai découvert qu'il y a pas mal de travail dans les mines pour essayer de développer les matériaux, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt sur le côté environnemental, c'est-à-dire que ce sont des métiers dont on a vraiment besoin, puisqu'on parle beaucoup d'écologie en ce moment et il faut se préoccuper de nos sols et de notre environnement. En même temps, d'un autre côté, comme j'ai fait un parcours espace, la planétologie, c'est quelque chose qui m'intéresserait potentiellement. Ce serait plutôt me tourner vers la recherche, essayer de découvrir en étudiant d'autres planètes et en étudiant leur formation, essayer de comprendre comment s'est formé l'univers, la Terre, pourquoi c'est apparu, et essayer de reconstruire en fait l'histoire de la Terre. Je trouve ça intéressant. Après, j'ai un petit problème d'éthique avec le fait de devoir coloniser une autre planète, puisqu'on a déjà du mal à gérer les ressources sur la nôtre. Ça va être aussi compliqué sur d'autres planètes, surtout qu'on a beau avoir un traité qui dit que tout l'espace hors de la Terre appartient à tout le monde. C'est compliqué en fait de déterminer, de dire tiens, telle planète ou telle comète appartiendrait à une entreprise et pourrait l'exploiter. D'une certaine manière, je trouverais que ça représenterait une sorte de perte d'information sur notre histoire. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui nous donne le droit en fait d'aller autre part sur des objets sur lesquels potentiellement il y a de la vie, de détruire cette vie ou alors de l'influencer? Pour moi, c'est plus un problème d'éthique. Après, c'est quelque chose de très intéressant d'essayer de poser une base sur une autre planète et d'aller plus loin, de sortir un peu de notre, enfin, du milieu dans lequel on est, puisqu'on est des terriens. J'ai décidé de revenir dans mon lycée déjà parce que je voulais témoigner à mes professeurs tout le bien qu'ils nous ont fait. Ils nous ont vraiment beaucoup, beaucoup aidés. Beaucoup poussé en fait. Et ensuite, je voulais essayer de partager avec les autres élèves, ceux qui sont en première et en terminale, qui ne savent peut-être pas encore ce qu'ils veulent faire, essayer de leur donner mon ressenti, de les conseiller si jamais ils ont besoin, s'ils ont des doutes. Par exemple, moi, je suis venue en BCPST pour la géologie, je me suis rendu compte que on a aussi beaucoup de maths et de physique, ce qui me plaît, mais en SVT, on a énormément de biologie. C'est quelque chose qui me passionne moins, je trouve ça intéressant, mais c'est un peu pesant. Et du coup, essayer de conseiller les gens sur voir ce qu'ils préfèrent, voir si c'est la meilleure filière, celle qui leur correspondrait le mieux. Et du coup, je voulais essayer un peu de transmettre mon ressenti.